C'est la première fois que l'Orchestre Padeloup enregistre un disque uniquement axé sur la musique contemporaine. Comme beaucoup de projets avec l'Orchestre Padeloup, c'est une rencontre avec des artistes et ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai rencontré Elisabetta Sicora lors de commissions de commande d'État. Et ces projets, il est né peut-être aussi d'une amitié qui s'est créée entre deux personnes, parce qu'à l'origine de ça, c'est Marianne Rivière et moi-même. Puis après, Marianne est venue en Pologne, elle a pris connaissance d'existence d'autres compositeurs et compositrices polonaises. Et puis voilà, le projet est né comme ça, petit à petit. Le répertoire des orchestres a besoin de s'ouvrir. Et au niveau international, les compositeurs actuels, contemporains, ont besoin de se faire connaître. Comme plus grand monde se déplace dans les salles de concert, je me suis dit qu'il fallait vraiment enregistrer des pièces. Et puis la Dame Mickiewicz Institute m'a suivi dans ce beau projet. Alors il y a un programme déjà de l'Institut Adam Mickiewicz qui s'appelle les héroïnes polonaises. C'est aussi pour ça qu'on s'est bien entendu, puisque l'Orchestre Padeloup est engagé dans cette volonté de faire jouer les femmes. Dans notre programmation de concerts, nous avons beaucoup de femmes que nous avons programmées comme chefs, comme solistes. Cet institut nous a demandé à plusieurs compositeurs de composer des œuvres qui seraient dans quelque sorte des hommages à des personnalités vivant en France, qui était important depuis pas seulement au XXe siècle, même avant. Et j'ai choisi Wanda Landowska, parce que c'est quelqu'un qui m'est assez proche. C'était une femme très courageuse qui a fait des clavecins quelque chose d'extraordinaire à son époque. Alors, en décembre 2019, c'est parti de cette pièce d'Elisabetta Sicora. On s'est dit, on va l'enregistrer dans la foulée du concert. Et on a réfléchi ensemble comment on pouvait compléter ce disque. Alors évidemment, l'Orchestre Padeloup est très attaché à promouvoir et aider à se faire connaître les femmes artistes, que ce soit les femmes chefs d'orchestre, mais aussi évidemment les femmes compositrices. Et du coup, nous avons choisi ensemble une pièce d'Agatha de Subel, une pièce d'Anna Kulenty, et puis pour le mettre aussi à la lumière de l'histoire, nous avons choisi une compositrice du début 20e qui s'appelle Madame Basevich, qui a écrit aussi un répertoire incroyable et qui est presque jamais joué dans les salles européennes. Ah, c'est un grand, grand plaisir. Premièrement parce que j'aime bien cet orchestre et travailler avec eux. Ce sont des musiciens vraiment excellents et qui ont beaucoup, beaucoup de joie de travailler tous ensemble aussi avec moi. Alors, c'est Marianne Rivière qui m'a invitée pour ce projet et je suis très, très ravie. C'est très important pour moi que l'Orchestre Padeloup et Marianne Rivière, ils sont vraiment ouverts pour le projet avec les pièces pas très connues, la musique contemporaine, en plus des compositrices et polonaises. Alors c'est un grand, grand plaisir d'être ici. Donc là, voilà, ce sont des femmes compositeurs, une femme chef, une femme ingénieure du son, une femme présidente d'orchestre. Voilà, c'était une jolie idée, je pense. Quand on n'a que des femmes à tous ces postes-là, qui est une solidarité, une absence d'enjeu de pouvoir, en fait, du début à la fin de la réalisation, ça donne une atmosphère dans l'enregistrement qui est particulière, qui est très apaisée, qui est très collaborative. Tout se règle de façon très fluide. Et ça s'entend à l'arrivée. C'est complètement au service des œuvres et au service des compositrices. Alors, ce projet, vraiment, c'est une grande réunion entre Pologne, la France, les artistes de ces deux pays. C'est vraiment un projet magnifique.